Wonderful. Just a couple of people. So I can repeat myself. Donc, c'est pas grave si je répète certains points. Did it bless you? Est-ce que ça vous a béni? Yes. Okay, amen. How many of you are married? Combien d'entre vous êtes mariés? I mean married, not like we're gonna get married. Pas on est sur le point d'être mariés, mais des gens qui sont mariés. Légalement. You're married, you got a ring, you signed the contract. Tu as signé le contrat de ton alliance. Amen. Hold on, keep your hand high. Gardez vos mains levées. How many of you are happily married? Combien d'entre vous vous êtes heureux dans votre mariage? Yeah, I'm just kidding. You don't need to ask that. Je rigole, je rigole. How many of you are single? Combien d'entre vous êtes célibataire? Lift that hand high. Et levez votre main. Amen. So if you're not single and you're not married, what are you then? Et donc, ceux qui ne sont pas mariés et qui ne sont pas célibataires, vous êtes quoi? How many of you are looking for a husband or a wife? Combien d'entre vous recherchez encore votre mari ou votre femme? You don't need to lift your hand. Faut pas lever la main. Amen. But I'm just taking inventory because I want to know who I'm speaking to. Mais je fais un petit inventaire pour savoir quelle est l'audience à laquelle je parle. I want to talk to you about a healthy family or a healthy marriage in a broken world. Donc j'aimerais vous parler d'une famille et d'un mariage sain dans un monde brisé. How many of you realize that we are living in a broken world? Combien d'entre vous réalisez que nous vivons dans un monde brisé? A broken world is a world where divorce is normal. Un monde dans lequel le divorce est quelque chose de normal. Amen. We're going to warm up today. We're going to just go straight to the matter. Il n'y aura pas d'échauffement. Aujourd'hui, on va directement aller au point central. Amen. A broken world is a world where adultery is accepted. Un monde brisé, c'est un monde dans lequel l'adultère est quelque chose d'acceptable. Amen. A broken world is a world without strong moral values. Un monde qui n'a pas de valeurs morales fortes. Where the family is losing its influence. Où les familles perdent leur influence. And where marriage is not special. Où le mariage n'est pas quelque chose de spécial. It is just another option. C'est simplement une autre option de vie. Among many other options. Au milieu de plein d'autres options. Today I want to speak about some very important issues. Et aujourd'hui j'aimerais parler de choses importantes. From Romans chapter 12 verse 1 and 2. Qu'on peut trouver dans Romains chapitre 12 versets 1 et 2.